Doucement, doucement, c'est le moment. C'est l'heure de la farce. Toute la puissance réside dans ce ballon. Bonne chance à toi, petit gars. C'est parti. Fiston, je suis rentré. Je vois ça. Attention, il pleut. Regardez-moi cette perfection. Oh, Liam, ne me regarde pas. Viens ici. Reviens. Ouf, quelle journée. Papa, il est enfin rentré. J'arrive. Bienvenue à la maison, papa. C'est pour moi. Comme c'est gentil. Je ne vais pas me faire prier. Tout simplement divin. Vraiment? Waouh, c'est trop bon. Merci, fiston. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Vroom, vroom. Cette voiture ne va pas assez vite. Enfin, je peux me détendre. Hein? Qu'est-ce que c'est? Comment c'est arrivé là? Bon, ça suffit. J'en ai assez de ce désordre. Non! Trop, c'est trop. Voilà qui est mieux. Tu te moques de moi. Tout le monde dehors. Incroyable. Aucun respect. À moins que... Je peux bien utiliser un de ces jouets. Et je peux aussi jouer. C'est bon, je suis prête. Et tu veux jouer? Waouh! Ouais! Il tire, il marque. Ouais! Regarde ça! 2 sur 2, bébé! J'ai réussi! Ça, c'est sûr! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! L'ampoule est réparée. J'ai presque fini. J'ai juste besoin de quelques pièces supplémentaires. Je suis tellement douée. Oh! Il y a une souris dans la maison? Oh non, tu vas mourir! Papa? Ne fais pas attention à moi, chérie. Je suis en chasse. What? Elle était juste ici. Ah ah! La voilà! Oh! Elle est trop rapide. Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Finis-le, papa gentil. Tes jours sont comptés, mon pote. Oui! Allez! Ha! Je l'ai! Ouais! Oh, une petite souris! Non! Ne touche pas à ça! Elle a rendu l'âme. Oh. Tu vois? J'espère vraiment qu'il n'y en a pas plus par ici. Yeah! Hey! J'ai une idée! Ça ne te dérange pas si je les emprunte. Ces chaussures vont être vraiment pratiques, tu vois. Il est temps de sortir les poubelles. Amuse-toi bien, ma chérie. Oh, waouh, c'est amusant. J'arrive. Sortons cette chose d'ici. Repose en paix, petite. Yay, j'ai réussi. Bravo, chérie. À moi l'honneur. Ce soir va être épique et j'ai besoin de cheveux assortis. Oh, de jolies boucles de plage. Un autre jour, une autre pile de linge à repasser. Commençons avec ce petit tas. Hé, salut meuf. Commençons cette fête. C'est parti. Pas possible, sérieusement? Alors, t'as dit quoi? Très bien. Est-ce que c'est de la fumée? Ce n'est pas l'ampoule, si. Et celui-ci? Je la sens encore. Oh oh! Ses cheveux! Oh non! Hé! Hey, ton fer a bouclé! Oh! Ah! Mes cheveux! Regarde ça! Oh non! Oh non! Ça va aller! Je suis désolée. En fait, j'ai une idée. Le séchoir à la rescousse. Tu veux des cheveux bouclés? Alors tu vas en avoir. Fais-moi confiance. Mèche par mèche. Enroulons-les autour des barres. Juste au-dessus et autour. Au-dessus et autour. Pinçons-les pour qu'ils restent en place. Attends, nous avons besoin de chaleur. Ça aidera les cheveux à tenir ces boucles.
Voilà, parfait. C'est l'heure. Dis bonjour à tes magnifiques cheveux, chérie. Ta-da! J'en reviens pas. Ça a vraiment marché. Et pas de cheveux brûlés. Waouh! Merci. De rien. Donne-moi juste une seconde de plus. J'ai presque fini. Il faut que ce soit bien lisse. Mm-hmm. Voyons voir. Juste assez d'élasticité, très bien. Je me suis surpassée. Mais attends! Tous ces cheveux! Papa, ça me cache le visage! Oh non! Hé, c'est une bouteille en plastique? Créons un véritable chef-d'œuvre du recyclage. On suit simplement le modèle et on se retrouve avec ça. Oh, trop mignonne! Parfaite pour tous ces cheveux. Ça les gardera hors du visage. La nécessité est la mère de l'invention. Ouais! Au revoir, papa! À plus tard, chérie! Ah! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! Ok, go! Oh, je peux pas! Moi non plus! Regarde ça! Ah, arrêtez, les gars! Je suis trempée! Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est nous qui avons fait ça? Désolée! Ça suffit! Toi et moi, c'est fini! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça va aller, mon pote! Je vais aller au bal avec toi! À moins que tu ailles avec cette fille! Elle, sérieusement? Vas-y! Bon, très bien! Il est temps de sortir le grand jeu! Hé, comment ça va? Oublie ma question! Eh bien, bonjour, Pogos! J'arrive pas à croire que je fais ça! Tu veux aller au bal avec moi? Bien sûr, ça serait super! J'étais sûre que tu dirais oui. Ok, c'est parti. C'est trop génial. Un garçon m'a demandé de sortir avec lui. Et quel garçon? Oui, oui. Bon, allez, ne bouge plus. Oh, mon premier baiser. Quoi? Tu peux oublier. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons beaucoup de travail à faire. De quoi est-ce que tu parles? Quoi, t'es aveugle? T'as des boutons! C'est pas grave! Je vais les éclater! Celui-ci a l'air juteux! Wow, stop! Mais... Je ne comprends pas! Il n'est pas nécessaire de les éclater! J'ai quelque chose pour toi! C'est ici! Regarde ça! Ça résoudra tous tes problèmes de boutons! Mettons-nous au travail! Ça va faire mal? Oh, c'est une drôle de sensation. T'es sûr que ça va fonctionner? Fais-moi confiance. Ces boutons vont bientôt être de l'histoire ancienne. C'est le dernier. Waouh, j'en reviens pas. Ma peau est si douce. Qu'est-ce que t'en penses? C'est peut-être plus difficile que je ne le pensais. J'ai besoin de quelque chose pour les taches. Ah, la plante d'aloe vera. Mère nature ne nous laisse jamais tomber. Je prends cette feuille, ça fera l'affaire. Il me suffit de presser le gel. Le voici. Je le recueille dans ce bol. Je pense que tout y est. Je vais maintenant ajouter quelques paillettes. Ça permettra d'exfolier ta peau. Et ça ajoute un peu d'éclat. Ensuite, je mélange le tout. On y est presque. Je pense que c'est prêt. Cette recette marche à tous les coups. Qu'est-ce qu'on attend? Je ferais mieux d'enlever mes lunettes. Je tamponne le mélange sur tes imperfections. Heureusement que j'en ai fait beaucoup. On va en avoir besoin. C'est froid, mais c'est agréable. C'est comme un masque de beauté. Et maintenant, j'attends? On a assez attendu. Essuyons ça. J'aime les moments privilégiés qu'on vit. Alors? Waouh! Quelle sensation incroyable! Ça fonctionne à chaque fois. Allons-y! Hein? Waouh! Ma peau est éclatante! Elle n'a jamais été aussi belle. Les boutons ont disparu. Merci beaucoup! C'est l'heure du goûter. J'adore les nouilles. Quelque chose ne va pas? Je veux être belle pour le bal. Et je sais exactement ce qu'il faut faire. Donne-moi un instant. Laisse-moi finir mes nouilles. Qu'est-ce que tu fabriques? Surprise! Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas aller à l'université des clowns? Ça te plaît pas? Je trouvais que c'était très classe. Reprenons depuis le début. Attends, je peux peut-être t'aider. Je dois avoir quelque chose là-dedans. Ah, ça fera l'affaire.
Olivia, regarde ça. Du ruban adhésif? Vraiment? Ne bouge pas. C'est un peu bizarre. Je vais placer le ruban adhésif autour de tes yeux, comme ceci. Je fais de même de l'autre côté. C'est très bien. Maintenant, j'ai besoin de fard à paupières. Ce bleu t'ira à ravir. Ça fera ressortir tes yeux. Je vais l'étaler dans le coin de la bande. C'est tellement simple et rapide. Ensuite, je décolle le ruban adhésif. C'est comme enlever un pansement. Et les résultats sont étonnants. Tu vas adorer. C'est comment? Mieux que ta tentative. Mais c'est pas tout à fait ça. Laisse-moi réfléchir. Oh, ma fourchette! Ce sera utile. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin d'un pinceau. Je vais réaliser un chef-d'œuvre. C'est parti! Je passe le pinceau sur la fourchette, mais seulement à l'extérieur. Heureusement que personne ne voit ça. Maintenant, je peux enlever la fourchette. Je dois faire pénétrer le maquillage à l'aide d'un pinceau. Ça chatouille! C'est un excellent moyen de faire du contouring. Ça met vraiment tes traits en valeur. Il ne faut pas oublier les joues. Un petit coup de pinceau. Et puis un peu par là. Et voilà! Je suis un artiste. Jette un coup d'œil. Oh waouh! C'est vraiment moi? J'adore! T'es super douée avec un pinceau à maquillage. C'est quoi la prochaine étape? On n'y est pas encore. Il nous faut des vêtements neufs. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Jetons un coup d'œil. Tu portes vraiment ça? C'est ma grand-mère qui l'a tricoté. C'est un classique. Je vais fouiller. Non, pas question. Hé, attention! Fais gaffe! J'aime bien celle-ci. Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse porter. Hein? Je l'ai. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est la bonne. Tourne-toi, je dois me changer. T'aimes pas? D'accord. Oui, ceci fera l'affaire. Je vais me changer rapidement. Je me sens si bien. Mais je dois faire quelques modifications. Je passe mon bras dans le cou. Pareil avec l'autre. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, je vais prendre les manches et je vais les enrouler autour de ma taille. Je vais faire un nœud dans le dos. Il me reste encore une chose à faire. Mes cheveux. C'est tout. Liam, tu peux regarder maintenant. Wow, j'en reviens pas. J'en reviens pas du tout. Qu'est-ce que t'en dis? T'es magnifique. C'est vraiment toi? Tu m'épates. Je suis contente qu'on fasse ça ensemble. Oui, moi aussi. J'ai jamais pensé que je serais ici avec toi. Je m'amuse beaucoup. Il nous reste encore une chose à faire. Tu lis dans mes pensées. On dit que... Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Waouh, tous les gens dans ce magazine sont super glamour. Quelle chance ils ont! Comme j'aimerais être aussi cool! Tiens, qu'est-ce que c'est? Pas possible! Meuf, faut que t'arranges tes sourcils! Va chercher une pince à épiler tout de suite! Ce magazine vient de m'insulter ou je rêve encore? C'est pas si moche que ça, hein? Peut-être qu'elle a raison en fait! Mais que faire? J'ai pas de pince à épiler! Oh, tiens, ma trousse! Je vais peut-être trouver quelque chose d'utile à l'intérieur. De la colle? Non! Ah, une brosse à sourcils! Non, ça ne marchera pas non plus. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut que j'aille dans un magasin. Waouh, il y a vraiment beaucoup d'articles. Ils doivent bien avoir des pinces à épiler. Mais où? Ah! Waouh! Il y en a plein. Je vais prendre celle-ci. Je suis sûre qu'elle fera l'affaire. J'aurai bientôt deux sourcils. Quelle journée! Je voudrais acheter ça, s'il vous plaît. Bien sûr, vous voulez... Waouh! C'est suffisant? Non, elle coûte 50 euros. 50 euros la pince à épiler? J'ai pas assez d'argent. Écoute, je peux peut-être t'aider. Tu peux utiliser des pièces pour épiler tes sourcils. Fais-moi confiance. D'accord, mais ça fait mal. Tu le sauras bien assez vite. Tu n'as qu'à pincer les pièces et elles arrachent les poils. Elles te débarrasseront de cet excès de poils en un rien de temps. Heureusement qu'on a un aspirateur dans la réserve. Je crois que c'est bon. Regarde. Waouh! Incroyable! Merci. Pas de problème. Presque fini. Voilà, maman dit qu'il faut que je prenne soin de mes cheveux. Oh! Un énorme bout!
Il ne faut pas le percer. Peut-être juste un petit peu. Beurk! Mais c'était génial. Je ferais mieux de nettoyer ça. Ouh, on dirait de la crème. C'est bien mieux. C'est l'heure du dodo. Ah, comme c'est douillet. Ah, j'ai super bien dormi. Mais j'y vois rien du tout. Où sont mes lunettes? Voilà qui est mieux. Non, pas du tout mieux. Je suis couverte de boutons. Pourquoi tu cries, ma chérie? Oh, je veux dire, bonjour, chérie. Je suis horrible. T'inquiète, on va t'arranger ça. Il nous faut juste un peu de maquillage. Ne te fais pas de soucis. Avec du fond de teint, le problème sera vite réglé. Tu crois que ça va marcher? Non. Pas question! Voyons ce qu'on a d'autre. Ouh, je crois que ça va faire l'affaire. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des patchs à boutons. Ils sont vraiment très pratiques. Je vais les appliquer sur tes boutons. Heureusement qu'on en a autant. On va tous les utiliser. C'est tout? Non, on n'a pas encore terminé. C'est bon, on peut les enlever. Ils font disparaître les boutons. Fini l'acné. Regarde. Waouh! Mais c'est vraiment magique! C'est super! Merci, maman! Pas de problème, ma chérie. Je t'aime tellement! Super match, les enfants! Allez, tout le monde à la douche! Ouh là là! Que je sens mauvais! Ça va être agréable! Dépêche-toi! Je les ai! Ah! Je me sens mieux! Oh oh oh! Déguerpissons! Hey! C'est bizarre! Enfin! Je ferai mieux de m'habiller! Je ne peux pas me promener comme ça toute la journée! Hein? Mes vêtements? Ils ont disparu! Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Oh! Je sais! Je vais prendre ça! Et ça aussi! Pas trop mal! Vous imaginez? Concentre-toi! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir me mettre? Ouh! Peut-être que ce tapis de yoga peut me servir! C'est la bonne longueur! Oups! J'espère que personne n'a vu ça! C'est tellement gênant! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Super! Exactement ce dont j'ai besoin! Mais il ne faut pas qu'on me voie! Encore un peu! Waouh! Lisez un peu ses muscles! J'aurai peut-être un jour un petit ami musclé! Presque arrivé! Hé! Psst! Bon bah, j'ai qu'à me servir! Voilà qui est mieux! Mais je n'ai toujours pas de pantalon! Il me faut une idée! Je sais! Je vais utiliser ces ciseaux! Je vais découper le suite au milieu! Il faut faire bien attention! Pas mal du tout! Maintenant, je n'ai plus qu'à le retourner! Et ça me fait une nouvelle jupe! Il faut juste serrer un peu! Et puis ajouter une ceinture! C'est super joli! Peut-être que je devrais en faire mon métier! Ah, maintenant, je peux aller en classe! On lui a fait une super farce! Pas possible! Comment est-ce qu'elle a fait ça? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé au mannequin? Je crois que je préfère ne pas savoir! Ah, une cliente! Bonjour! Hey! Qu'est-ce que je vais prendre? Je voudrais ce gâteau, s'il vous plaît. Okay. Où est-ce que je vais m'asseoir? J'adore le gâteau. Oh, c'est Alex! Salut! Il est tellement drôle! J'espère qu'elle ne m'a pas vue. Je peux m'asseoir avec toi? Désolée, cette place est occupée. Par mon sac, tu vois? Ah, d'accord. C'est pas grave. C'était pas gentil. Tiens, je t'offre une seconde part de gâteau. Je ne sais pas si je devrais... J'en veux plus! Tout a commencé avec une part de gâteau gratuite. Le plus beau jour de ma vie! Non, 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 merci! Je voulais juste te consoler un peu. Waouh! Ton maquillage est magnifique! Oh, merci! Tu peux me montrer comment faire?
Il te faut juste une cuillère et une fourchette. Tu dis ça pour plaisanter, n'est-ce pas? Non, tu vas voir. Place la cuillère sur ton œil. Ensuite, passe ton pinceau coloré au-dessus de la cuillère. Tu n'as plus qu'à remplir le reste. C'est vraiment super facile. Et maintenant, la fourchette. Tu la tiens comme ça. Et tu passes ton pinceau entre les dents. Ça crée un super effet égyptien. Maintenant, tu n'as plus qu'à suivre la ligne de ta paupière. C'est vraiment superbe. Voilà, terminé. Je vais me recoiffer. Waouh, c'est super joli. Je me sens si belle. Merci. Pas de problème, vas-y. D'accord. Salut Alex. Waouh. Gabi, je ne t'avais pas vue. Tu veux venir avec moi à la fête? Ah, ça a l'air intéressant. Ouais, pourquoi pas? J'ai un record. Génial, il n'y a personne aux alentours. Ça fait longtemps que j'attends ça. Salut, je suis là. File à temps. Approche-toi. Ne bouge pas. Incroyable. Je suis comment? Magnifique. Je me sens mieux. C'est vraiment une règle idiote. Plus besoin de ça. Concentrez-vous bien. Ça sera dans le contrôle. Je déteste les cours de maths. La prof est occupée. C'est le moment ou jamais. Où est-ce qu'il est? C'est passionnant, les maths, non? Allez! C'est bon! Je l'ai! Ashley? Oh oh! Bonjour! Qu'est-ce que tu fais? Moi? Rien? Je te surveille. Piou! C'était moins une! Il faut que je sois rapide. Non, ce n'est pas ça. Ah ah! Personne ne se doute de rien. Ashley! Main sur le bureau. Voilà. Vous êtes contente? Arrête de faire n'importe quoi. Oula, elle est de mauvaise humeur. Mais elle ne m'a pas interdit de bouger les pieds. Là, je suis contente de faire du yoga. J'y suis presque. Ce n'est pas évident. Oh non! Encore toi, Ashley? On continue. Ok. C'était vraiment proche. Mais au moins, j'ai mon maquillage. Attends, cette boîte de crayons me donne une idée. Ça pourrait marcher. Enlève le couvercle et les crayons de la boîte. Dépose de la colle sur la pointe d'un petit crayon. Et colle le crayon au couvercle. Fais ça avec d'autres crayons. Jusqu'à ce que le couvercle soit entièrement recouvert. Ensuite, range ton maquillage dans la boîte. Mets tout ce dont tu as vraiment besoin. Puis remets le couvercle. Ma petite trousse à maquillage pour les cours. Et personne n'en saura rien. Hé, c'est du maquillage? J'ai tout ce qu'il faut là-dedans. C'est parfait pour une petite retouche. Plutôt malin, non? J'adore l'idée. Je suis allée faire les magasins et j'ai trouvé la palette d'ombre à paupières la plus jolie du monde. Je suis trop jalouse. Tu veux la voir? Regarde, elle est dingue. Oh, j'adore les couleurs! J'aimerais avoir la même! Tu peux l'utiliser, t'inquiète! Merci! Oh, bonjour monsieur! Vous êtes en retard, à votre cours les filles! Pas de maquillage? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, rien du tout! Qu'est-ce que tu as dans le dos? C'est juste ma main! Il y a quelque chose de louche, fais-moi voir! Non, je n'ai rien dans mon dos! Donne-moi ce que tu tiens! Bon, d'accord. Mon maquillage. Ashley, lâche. Mais c'est à moi. Bon, c'est gênant. Toi, tu vas en cours. Désolée. Lâche, Ashley. Génial. Une distraction. Quelle est immature. Pour garder la palette de maquillage en lieu sûr, il faut s'attaquer au livre. Prends une paire de ciseaux pour découper un trou dans un livre. Il faut que ce soit de la même forme que la palette. Ensuite, colle les blocs de poudre sur la page. Comme ça. Ajoute quelques décos pour que ce soit plus personnel et pour camoufler le maquillage. Avec ça, tu peux aller en cours. N'avance pas plus. Tourne-toi. Pas de maquillage? C'est bien. Tu peux y aller. Génial! Enfin, d'accord. Salut! Ça va?
On ne peut mieux. Waouh! Eh oui, j'ai juste besoin d'un pinceau. Et maintenant, je peux me maquiller. Si on m'avait dit que les livres de cours pouvaient être si utiles. Tu es superbe! Tu veux lire mon livre? Madame, j'ai fini le contrôle. C'est vrai? Vous allez être impressionnée. C'est ce qu'on va voir. Effectivement, beau travail. Fais comme si de rien n'était. Merci. Qu'est-ce que tu as sur le visage? Quoi? Je ne vois pas de quoi vous parler. C'est du maquillage? Non, il faut que j'y aille. Attends, tourne-toi. Je n'ai pas de maquillage. C'est louche. Tu peux y aller. Je me sens bien. Waouh! Comment elle fait pour être si belle? C'est juste naturel. Si elle connaissait mon secret. Petit retour en arrière. Elle est occupée. Heureusement que j'ai préparé ça tout à l'heure. Prends une gomme et découpe un coin avec des ciseaux. On a juste besoin d'un petit bout. Ensuite, mets de la colle sur un coton-tige et colle la gomme sur le coton-tige. Ensuite, mets du mascara sur la gomme. Recouvre entièrement la gomme. Voilà, comme ça. Je vais passer la gomme sur mes paupières. Et de l'autre côté, parfait. Voilà, bien joué. Je mériterai un A pour la peine. Où est-ce que je m'assois? Ce bureau m'a l'air bien. Non! Ne t'assois pas là! Il faut que je me dépêche! Hors de ma route! Bouge, intello! C'est mon bureau! J'étais là d'abord! Trouve-toi un autre bureau! Tu es sérieuse? Ok! Tu vas voir ce que tu vas voir! Donne tout ce que t'as! Tu es morte! Pierre, feuille, ciseaux! Partez! Oh, d'accord. Ouais, j'ai gagné. Désolée la nulle. Ashley est trop pénible. Tu vas pleurer. C'est le bureau parfait. Juste à côté des classeurs. Prends un classeur et découpe la couverture arrière. Mets de la colle sur le classeur. Il faut bien tout recouvrir, de haut en bas. Pose le classeur sur la tranche et colle-y un autre classeur à moitié découpé. Refais la même chose avec d'autres classeurs. Ensuite, colle un autre classeur avec un seul côté découpé. C'est une super idée! Ma petite réserve de maquillage secrète! Tout ce qu'il me faut est ici. Il suffisait d'un peu d'imagination. J'étais obligée de m'asseoir là. Il faut que je sois jolie. On court. Et maintenant, c'est le cas. Mais non! Comment t'as fait? Jalouse? Oh non! C'est du maquillage? Où sont mes lunettes? Ah! Je cherchais ce stylo! J'ai cru que… Oublie! J'adore cette ombre à paupières! Elle est trop chou! Oh! Qu'est-ce que j'ai sommeil? Il faut que je sorte mes affaires! Ah! Salut! Ah! Je t'ai prise pour un fantôme? Très drôle! Non mais tu es tellement blanche! Je m'en moque! Je suis trop fatiguée là! Ah, je devrais peut-être l'aider! Il y a bien un truc là-dedans qui pourrait lui être utile! Ah ah! Ça va être parfait! Oh! Regarde-la! Hé, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a encore? Prends ça! De la colle? Dis donc, tu es trop gentille! Mets-en dans ta main! Ok, mais je sais à quoi ça ressemble de la colle! Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est du maquillage? C'est quoi cette sorcellerie? Tiens! Prends ça! Avec ça, tu auras l'air un peu plus humaine. D'accord, mais tu m'as perdue, là.
Prends un flacon de colle vide, nettoie-le et enlève le bouchon. Prends ton fond de teint préféré et remplis le flacon avec. Ensuite, referme le bouchon. Un fond de teint de secours. Oh, je comprends mieux. Merci. Avec plaisir. C'est beaucoup mieux. Je ressemble à quoi? Tu es très belle. Tiens. J'arrive pas à croire qu'on soit seulement lundi. Oh, waouh, ce garçon est trop mignon. Ah, oh, c'est pas vrai, il me fait coucou. Salut. Pourquoi est-ce qu'il part par là-bas? Oh, mais quelle idiote! Oh, je sens que la journée va être longue. Oh, c'est quoi ça? Quelqu'un a dû le faire tomber ou un truc comme ça. Je l'ai trouvé, je le garde. Personne ne m'a vu le prendre de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Waouh! On dirait que les choses vont enfin s'améliorer. Et pour une fois, tout est clair comme de l'eau de roche. Voyons comment les gens me traitent maintenant. Vous pensez que quelqu'un va me remarquer? Waouh! Je peux t'accompagner en cours? Oh, fais la queue, mec. Oh, non mais regardez-le planté là. Il ne sait même pas que j'existe. Qu'est-ce qu'il est intelligent! Je suis tellement amoureuse de lui! Oh, il a une copine? Hey! Qu'est-ce qu'il lui trouve, franchement? Sûrement plein de choses. Je pourrais jamais lui ressembler. Salut, bébé. Burk, pourquoi est-ce qu'il faut que je sois assise pile au milieu? Au moins, je suis près de mon amoureux. Dommage que je sois invisible à ses yeux. Oh, salut, beauté. C'est pour toi, mon seul et unique amour. Tu peux lui donner? Hein? À lui, t'as compris? Bref. Tu m'as prise pour qui? Ton facteur? Et c'est quoi d'abord? Oh, t'es sérieuse? Je vais pas lui donner ça. Oh, ça craint. Tiens. Quoi? Oh, elle m'envoie des bisous. Cool. Mouah, voilà en retour. Comme si l'école n'était pas assez pénible. Oh, j'en ai vraiment marre de cette situation. Je t'aime, mais moi je t'aime plus. Mouah. Oh, c'est épuisant. Est-ce qu'un jour je ressemblerai à ces filles super belles? Avec leurs lèvres pulpeuses? Et si je prenais le problème à bras-le-corps? Je vais redonner un peu de volume à mes cheveux. Oh, c'est une bonne idée, le rouge à lèvres. Il faut que je m'en mette une bonne couche. Magnifique. Maintenant, je vais les imprimer sur une feuille. Mouah. Mes lèvres sont vraiment si fines. Oh! Ah! Je serai jamais tranquille. Bah! Fichu rouge à lèvres. Oh! C'est trop nul. J'arrive à rien avec mes cheveux qui se baladent partout. Hé! Une petite minute. Je pourrais m'en servir pour mes lèvres. Ça devrait aider à faire monter le sang. Voilà, c'est déjà mieux, je le sens. Plus qu'à attendre. Voilà, ça devrait être bon. Oh, c'est vachement mieux. Elles sont bien repulpées. Rien à voir avec mes petites lèvres toutes fines. Parfait, je reprends confiance en moi. Oh, encore ces deux-là. Je vois pas ce qu'il y a de si drôle, mais d'accord. Moi aussi, je peux jouer à ça. Hein? C'est quoi? Wow! Elle m'a envoyé un bisou! À plus tard, bébé! Wow, elle est nouvelle! Hé! Hey, donne-moi ça! Mais non, bébé, c'est toi que j'aime! Ouais, je suis trop contente qu'on sorte enfin ensemble! Wow, merci! Tu veux qu'on s'embrasse? D'accord. Hein? Qu'est-ce que c'est? Il est déjà là? Oh non, j'ai raté mon réveil! Pourquoi il n'a pas sonné? Oh! Ouch! Il faut vraiment que je m'active. Oh non! Ma peau est horrible! Burk!
Bon, c'est rien, je vais arranger ça. Il suffit que je mette des pattes anti-cernes. Quoi? Oh, je vais me rincer le visage à l'eau froide. Oh, c'est gelé! Ah! Oh! Hé, hey, ça vaut le coup d'essayer, non? Adieu les poches! Ah! Oh! Ouh! J'ai toujours ma tête d'endormie! Y a quelqu'un? Tiens, y a quelqu'un à la porte? Je n'attendais personne pourtant. Oui? Entrez! Très bien, jeune homme, suis-moi. Tu n'as qu'à attendre là, d'accord? Fais comme chez toi. Mince! Pourquoi rien ne fonctionne? Je crois que je vais devoir y aller comme ça. Elles sont plutôt cool, pas vrai? Oh! Comment t'es arrivé là? Ouf, il ne m'a pas vu! Il me faut encore quelques minutes. Chérie? De quoi as-tu si peur, ma puce? Laisse-moi tranquille, maman! Les jeunes de nos jours! Dis-moi tout! C'est à cause de ma tête! Oh, je vois! Je suis déjà passée par là! Et j'ai exactement ce qu'il te faut! Mes copines et moi, on faisait ça tout le temps! Il suffit d'avoir un concombre et de quoi le trancher! Regardez! Une fois qu'on a ça, trempez-y du coton! Une moitié pour chaque œil! Une fois qu'ils sont bien imbibés, on va pouvoir les appliquer. Séchez vos larmes. Quoi? Tiens, tu devrais utiliser ça, chérie. Des patchs pour les yeux? Waouh! Ils sont tout frais en plus. Tu veux bien sortir de ce frigo maintenant? Mes yeux vont déjà beaucoup mieux. Je pense que tu dois pouvoir les enlever. Alors? Wow! C'est bon, c'est parti! Bien, vas-y maintenant. Désolée de t'avoir fait attendre. Mais ça en valait la peine, non? Wow! Ils sentent vraiment très bon! Ah! J'espère que j'en ai fait suffisamment. C'est du bon travail! Quel chef-d'œuvre! Waouh! Franchement, je suis trop canon! Ouvert ou fermé? Cette coiffure est vraiment au top! Wouhou! Mamie? Je t'ai fait des cookies, mon petit chat! Mamie, je vais à une fête, là! Peut-être plus tard, d'accord? Désolée! Comment ça, une fête? Tu vas vraiment sortir? Comme ça, tu es bien plus mignonne, ma chérie! Mamie! Tu veux bien? Laisse-moi arranger ça. Oh! Arrête, mamie! J'ai pas besoin de ton aide. Les jeunes n'ont aucun respect. J'ai cuisiné tout l'après-midi et pourquoi? Pour qu'elle aille à une fête? Oh non, elle a oublié son sac. Elle ne risque pas d'aller bien loin sans ça. Bon sang! Je crois que je suis au bon endroit. Ah, la voilà! Hé, attends, ton sac! Misère, mes jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. Bonsoir, ma petite fille a oublié son sac. Je peux le lui apporter? Réservé aux élèves. Je comprends, mais c'est important. Un miroir? Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Ce sont mes quelques rides qui vous effraient? Bon, très bien. Je ne peux pas croire de telles bêtises. Je voulais simplement aider. Oh! Une seconde, je parie qu'il y a du maquillage là-dedans. Bien, voyons voir. Oh, quel est cet engin? Ça a l'air de faire mal. Je vais quand même essayer. Finalement, ce n'est pas désagréable. Ma peau est beaucoup plus douce. Waouh, quelle aventure! Dites donc, j'ai plutôt bonne mine. Je vais le garder. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un pullover? Hey, c'est confortable. Y a-t-il quelque chose d'autre dont je pourrais me servir? Oh! Une seconde. Tu me dis quelque chose. J'arrive pas à me souvenir d'où. Bon, tant pis, vas-y.
Wouhou! Mon petit chat. Hein? Mamie? C'est moi. Tu avais oublié ton sac. Et pendant qu'on y est, je me suis dit que tu en voudrais peut-être un. Mamie, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ah, finalement, on dirait que ça augmente ma cote de popularité. Oh, tu te rappelles cette fille avec son affreux pull jaune? Burke, il était vraiment horrible. Oh, excusez-moi, est-ce que je peux... Oh, ils ne m'ont sûrement pas vue. L'école est déjà assez difficile sans que tu aies, en plus, à t'inquiéter si les gens t'aiment ou pas. Oh, il faut que j'aille en classe. J'ai pas envie d'être en retard. Oh, oh, c'est pas vrai. Oh mince, désolée. T'es sérieuse, là? Oh, oh, oh non, mais regarde-moi ça. J'ai trempé. Oh, tu viens de bousiller mon t-shirt préféré. Je suis désolée, je vais vous laisser, ok? Non mais sérieusement, quelle idiote! Je vais lui donner une leçon. Je vais faire mes devoirs tout de suite pour ne pas oublier. Elle va être trempée. Carrément, ça lui apprendra. Ça va être marrant. Maintenant! Bien joué! C'était parfait! Oh non! Mes devoirs sont fichus! Oh, je déteste que l'on ne m'aime pas! Oh, j'adore les sciences! C'est vraiment ce qu'il y a de mieux! Pas de panique, c'est juste une fille! Oh, allez! Aujourd'hui, c'est le jour J! Je vais être courageux et dire à Wendy... ce que je ressens. On prend une grande inspiration et on y va. Oh, oh, je l'ai touché. Wendy, désolée. Sally, je peux faire quelque chose pour toi? Eh bien, je voulais juste, tiens, cette fleur est pour toi. Quoi? C'est vrai? Cette fleur est pour moi? Oh, vraiment? Oh, oh, merci beaucoup. De rien. J'ai tout de suite pensé à toi quand je l'ai vue. En plus, je sais que tu adores la botanique. Oh, c'est tellement mignon. Pas autant que toi. Attends, qu'est-ce qu'ils font les premiers de la classe, là? Oh, j'y crois pas. Wendy a eu une rose alors que je suis juste là. Oh, non, ça c'est trop. Je ne peux même pas... Qu'est-ce que ça m'énerve? Attends voir, qu'est-ce que c'est que ça? Jetons un coup d'œil de plus près. Oh, un service de livraison de fleurs. Oh, ça pourrait être la solution à mon problème. C'est tellement intéressant. Toc toc, j'ai des fleurs pour une jeune femme chanceuse dans cette classe. Quoi? Waouh! Oui, je fais souvent cet effet-là. Quelqu'un dans cette classe va recevoir toutes ces belles roses! Faites que ce soit moi! Je sens qu'on va bien s'amuser! Ces fleurs sont pour... Wendy! Oh, c'est moi! Quelle petite vénarde! Oui, ces fleurs sont pour vous! Ah, tu ferais bien d'aller les chercher! D'accord! Voilà pour toi! Oh, merci! On ne m'avait jamais envoyé des fleurs avant! Oh, elles sentent si bon en plus! Quel parfum! Merci beaucoup! Oh, je ne fais que mon travail. Un pourboire, peut-être? Quoi? Quel pourboire? Eh bien, je ne suis que le livreur. Regardez, j'ai même une casquette. Bon, je peux avoir mon pourboire? Le livreur? Mais je croyais que vous m'offriez ces fleurs! Je ne fais que les emmener d'un point A à un point B. C'est tellement embarrassant! Pourquoi ce genre de choses m'arrive tout le temps? Je dois sûrement avoir un peu d'argent, quelque part. Laisse-moi regarder. Bon, ce n'est pas de l'argent, mais peut-être que ça fera l'affaire.
Voilà pour vous, monsieur. Attendez, vous plaisantez? C'est quoi ça? Vous comptez me payer avec des boutons? Je suis désolée, je n'ai rien d'autre. Très bien, profitez de vos fleurs. Faut vraiment que je change de taf. Si c'était censé me faire plaisir, c'est tout le contraire. Oh, je n'ai même plus envie de ces fleurs maintenant. Oh, si t'avais vu ta tête. Trop drôle. Hé, hey Mindy, est-ce que tu voudrais ces fleurs? Prends-les. Quoi? Tu veux me donner tes fleurs? Bien sûr. Oh, maintenant je me sens nulle d'avoir été méchante avec elle. Oh là là. Oh, désolée, Wendy. Ce n'est rien. Oh. Quelqu'un a vu ça? On en voit vraiment toutes les couleurs dans ce métier. Oh, vaut mieux être professionnel. Cette soirée va être géniale. Waouh, regardez cette tenue. Waouh, Mindy, t'es super jolie. Tu sais exactement comment t'habiller pour sortir. Même tes chaussures sont stylées. Une petite seconde. Tu ne peux pas entrer comme ça. Cette fête a un contrôle de taille, un peu comme un parc d'attractions. Sauf que, on ne veut pas que des enfants puissent entrer. Pour de vrai? Allez, viens, on va juste vérifier si tu es assez grande. Mets-toi devant le mur. Voyons voir. C'est une mesure assez fiable. C'est bon, tu es assez grande, ça ne fait aucun doute. Vas-y, entre. Tout le monde t'attend. Oh, salut, John. On se parle un peu plus tard, d'accord? Bonsoir. Oh, tu m'as fait une peur bleue. Waouh, tu peux vraiment te faufiler derrière quelqu'un. Voyons un peu de quoi tu as l'air. Est-ce que c'est une robe de soirée? Des chaussettes de soirée et des baskets. C'est joli, d'après toi? Franchement? Hey, John, viens voir ça, c'est dingue. Bon, approche pour que je vérifie ta taille. D'accord. Tu es bien loin du compte. Quoi? Mais, et la fête? Désolée, tu n'as qu'à trouver un autre endroit où faire la fête. Oh, vous pourriez faire une exception pour moi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai du mal entendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Non! J'ai été claire. Si je te dis que tu ne peux pas entrer, tu n'entres pas, d'accord? Dégage d'ici! Oh, bon, c'est vrai que dit comme ça, vous faites peur. Bouge! Oh, non mais je vous jure! Puisque c'est comme ça, je m'en vais! C'est trop injuste! Je ne voulais même pas aller à cette stupide fête de toute façon. Je suis sûre que c'est plein de gens méchants comme elle. Elle est trop méchante. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire. Hé, attends une minute. Je crois que j'ai une idée. Oui, je suis sûre que ça va marcher. Je vais enlever mes chaussures juste ici. Ensuite, je vais enrouler ma chaussette et la retirer complètement. Il faut que je continue de l'enrouler. Encore et encore jusqu'au bout. Il faut qu'elle ressemble à un donut. Et voilà, maintenant ma chaussette est compacte. Je vais la mettre dans le talon de ma chaussure. Et enfin, je n'ai plus qu'à remettre ma chaussure. Et voilà, voyons voir. Oh, ça change tout. C'était une super idée. Les chaussettes dans mes chaussures me font paraître plus grande. Allons-y. Je peux entrer, s'il vous plaît? Encore toi? Je t'ai déjà dit de partir. Attendez! Mesurez-moi, s'il vous plaît. Oh, bon, d'accord. Mais ça ne fera aucune différence. Mais bon, comme tu veux. Oh. Regarde, tu as exactement la même taille qu'avant. Hein? Tu es plus grande? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que... C'est vraiment bizarre. Les règles sont les règles.
D'accord, tu peux entrer. Oui, youpi! Que la fête commence! Allez, entre, j'y comprends rien. Comment est-ce qu'elle a grandi aussi vite? Elle doit avoir de bons gènes. À toutes, Mindy, ciao! Hé, Mindy, est-ce que je peux m'asseoir avec toi? Fais gaffe, Lantello! Oh! Oh non! Mes lunettes! Je n'y vois rien sans elles! Où est-ce qu'elles sont? Elles doivent bien être quelque part! C'est pas bon, ça! Faites que ce soit pas mes lunettes! Mes lunettes! Je les ai entendues craquer! Oh non! Les verres sont brisés! Comment je vais faire maintenant? Pourquoi? Mes pauvres lunettes! Oh, c'est pas vrai! Pourquoi tu pleures? Regarde! Mes lunettes sont foutues! Oh oui, je vois. C'est vrai que ça craint. Eh bien, parfois, les choses tournent vraiment mal. Oui, mais j'ai l'impression que c'est toujours à moi que ça arrive. Attends une minute. Hé, je crois que j'ai une idée. Wendy, je vais arranger le problème. Quoi? Mais comment? Tout d'abord, nous allons avoir besoin de couverts en plastique. Et, bien sûr, un sèche-cheveux réglé sur chaud. Utilisons le sèche-cheveux pour chauffer le couteau en plastique, comme ça. Une fois qu'il est chaud, il est plus souple. Regarde, ça ne casse pas. Et une fois que le couteau aura refroidi, il gardera cette forme. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un pistolet à colle. Je vais appliquer une petite quantité de colle à l'extrémité du couteau, juste ici. Ça devrait suffire. N'oublie pas de faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va juste coller les deux moitiés ensemble, comme ça. Une fois la colle sèche, elles ne formeront plus qu'un. Regarde, on a fabriqué une paire de lunettes avec des couteaux en plastique. Tiens, Wendy. Bon, elles ne sont pas à ta vue, mais... ça ne coûte rien d'essayer. Bon, d'accord. Ok, je vais les essayer. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Oh! Wow! C'est bizarre, mais je me sens beaucoup mieux avec ces lunettes sur le nez. De quoi j'ai l'air? Wow! Franchement, elles te vont super bien! Écoute ça, Wendy. Quoi? Eh bien, il est temps de se mettre au travail. C'est l'heure du relooking. La première chose à faire, c'est d'enlever cette tenue. Waouh! C'est mieux! Oh, le rose, c'est vraiment ta couleur. J'adore ça! Waouh, Mindy, c'est incroyable! Je me sens comme une personne différente. Il est temps que je fasse ceci. J'ai toujours voulu faire cette danse avec les filles populaires. Waouh, Wendy, tu connais tous les mouvements et les temps. Je me suis entraînée à la maison devant mon miroir. Et la pause finale? On l'a fait, Mindy, on l'a fait, on a réussi! Oh, désolée, je me suis un peu emportée. Trop chelou. Oh, est-ce que j'ai dit quelque chose? Bon, au moins, j'ai ces super lunettes. Oh, trop beau. J'adore cette couleur. C'est tellement naturel. Je dois m'assurer que je suis bien maquillée. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Mon Dieu! C'est Wendy! Oh! Elle ressemble à un cadavre! Oh, ça craint! Est-ce que tu te sens bien? Je devrais appeler une ambulance ou les pompes funèbres. Je n'ai jamais vu cette couleur de peau sur une personne vivante avant. Oh! Salut, Mindy! Ça fait plaisir de te voir. Ouais. Je t'en supplie, ne bois pas mon sang. Je t'ai dit bonjour. Quelque chose ne va pas? Tu plaisantes, Wendy? T'as vu ta tête? Prépare-toi avant, quand même. Je t'aurais prévenue. Oh, et ne casse pas le miroir. Oh,
Oh non! Pourquoi ma peau est comme ça? Oh! Oh! Tu as raison! Oh, ma peau est toute pâle! Regarde ça! Est-ce que j'ai toujours été si pâle? J'avais jamais remarqué avant! Oui. Malheureusement, oui. C'est la vie. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un joli teint. Oh, mais c'est ton jour de chance! Parce que je peux t'aider. Je sais ce qu'on va faire. Tu vas voir. Tu vas être superbe. J'ai juste besoin de mes outils de travail. Je pense que j'ai tout. Je vais avoir besoin de cette huile pour bébé et de ce maquillage. Et puis j'aurai besoin de ce bâton aussi. Tout d'abord, je vais devoir gratter un peu de ce maquillage avec le bâton. Je peux en faire une poudre. Il est temps de passer à l'étape suivante. Il est temps pour l'huile de révéler ses pouvoirs. On retire le bouchon de la bouteille et on approche la poudre. Avec le bâton, on verse un peu de poudre dans la bouteille d'huile. Regarde ça! On remet le bouchon en place. On s'assure qu'il est bien fermé. Puis, on secoue la bouteille. Regarde, l'huile pour bébé a changé de couleur. C'est joli. Hé, Wendy, regarde le résultat. Tu es impressionnée, hein? Cette petite bouteille est la solution à nos problèmes. Grâce à ça, on va régler ton problème de pâleur. Tiens. Tu es sûre que ça va marcher? Oh, fais-moi confiance. Mets-en un peu sur ta peau et tu seras magnifique. Bon, après tout, ça ne coûte rien d'essayer. Vas-y, je vais en prendre un petit peu pour commencer. Je vais en verser dans ma main. Oups, pas trop. Ok, et je suppose que la prochaine étape est de vraiment l'essayer, hein? Oh! Allez, c'est parti! Je n'ai rien à perdre. Je vais l'étaler sur mes joues. Waouh! Ma peau est toute douce! Oh, je vais aussi en mettre sur mon bras. Attends, il ne faut pas que j'oublie que j'en ai deux. Ça aurait été bizarre. J'en étale bien partout. Waouh! Je n'en reviens pas! Ça marche vraiment! Oh, j'ai déjà l'air moins pâle! C'est comme si je rajeunissais! Oh, c'est incroyable! Oh, tu avais raison, Mindy! C'est beaucoup mieux! Oh! Tu brilles tellement! Oh! Mes yeux! Ma peau est absolument radieuse! Je l'adore! C'est l'heure de s'instruire! Oh! Oh mon Dieu! On dirait qu'il y a littéralement un soleil dans ma classe. Oh, j'ai besoin de mes lunettes de soleil. Hé, hey, c'est quoi ce prospectus? Oh là là, un concours de danse? J'ai super hâte d'y être. Je dois me préparer. Qu'est-ce que tu regardes? Un concours de danse, tu dis? Ouais, ça me plaît. Tiens, prends mon téléphone. Allez, filme-moi. Bon, je suppose que je peux faire ça. C'est le moment de montrer tous mes talents de danseuse. 1, 2, 3, your attention's all I need. 4, 5, 6, don't let it slip. At 24/7, all I do is procrastinate. Hey, qui a mis ça là? Ça me dérange dans ma danse. Et maintenant, la pause finale. J'espère pour toi que tu as bien capturé tous mes pas, Jennifer. Ouais, d'accord. Ça me paraît plutôt bien. Hé, Annie, tu me filmes moi maintenant? Tu veux que moi, je te filme? Jamais de la vie! Oh, salut David! Salut Annie, tu vas filmer Jennifer? Oui. J'attends juste qu'elle me donne son téléphone. Ok, Jen! Donne-moi ça pour que je puisse te filmer. Qu'on en finisse. Oh, c'est ennuyant à mourir. Je suis déjà... Oh! Quoi? C'est quoi ce délire? Phew! Merci de me filmer, Annie.
C'était trop bien. Je ne peux pas la laisser envoyer ça. Oupsie, j'ai fait tomber ton téléphone. Je suis trop désolée, Jen. Il m'a glissé des mains. Oh, c'est la sonnerie. Je dois aller en cours. À plus tard, je suppose. Oh, j'espère que mon portable n'a rien. Non, 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 non! L'écran est complètement cassé. Mince alors, cette journée est complètement fichue. Oh, j'adore tellement cette chanson! Je peux même chanter encore plus fort avec le bruit du sèche-cheveux. Tu sais quoi? Ça me donne aussi envie de danser. Ouais, pile comme ça! C'est ça! Je suis... Oh! Annie, je ne t'avais pas vue arriver. Pourquoi est-ce que tu te dandines en peignoir dans le salon? Tu avais dit que tu repasserais mes vêtements, alors il est temps de t'y mettre. Je suis sûre que tu peux te débrouiller avec une tâche si facile. Oh, Annie est vraiment horrible parfois. Et après, je fais ce pas. Phew, j'ai failli arriver en retard pour le concours de danse. Je n'ai pas eu le temps de me changer. Je vais devoir le faire ici. Heureusement que j'ai été assez maligne pour prendre cette beauté avec moi. Non, 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 non! Quoi? Comment est-ce que tous ces trous sont apparus? Oh, Jen! Qu'est-ce qui est arrivé à ta robe? Comment est-ce que ces ciseaux se sont retrouvés là? Oh zut! Ça doit être vraiment dur pour toi. Mais pour assurer ma victoire, c'était une bonne décision de détruire sa robe. Ok, j'y vais. C'est le moment de gagner un prix et de devenir célèbre. Qu'est-ce que je vais faire? Attends, peut-être que les ciseaux peuvent aussi tout réparer. Ok, Jen, donne tout dans ta danse. Et maintenant, il est temps de frimer dans ma nouvelle tenue. Hein? Comment est-ce que Jen fait pour être si chanceuse? Et quand tu crois que j'ai fini, je vais leur donner un peu de ça. Oh mon Dieu! Tout ce public m'applaudit! Oh, je n'y crois pas! Comment Jen a fait pour être si forte? Oh, cette chanson me donne la pêche aujourd'hui. Je me sens tellement bien qu'elle me donne envie de danser. Quoi? C'est Jen? Waouh! Regarde comme elle danse! Elle est incroyable! Je vais lui demander! Oh! Aïe! Ma tête! Et ma fierté! Oh non! David, tu vas bien? Tu sais quel jour on est? Et tu te rappelles de ton nom? Je t'ai vu danser. Tu étais incroyable. Je n'arrivais pas à te quitter des yeux. Jen, m'accorderiez-vous une danse? Quel est ton style de danse préféré? Dis-nous dans les commentaires et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à la page de notre chaîne pour voir d'autres vidéos géniales comme celle-là.